On poursuit à présent avec une compétition de billard anglais. C'était à Bretteville-Orgueilleuse dans le Calvados. Oui, c'était la troisième étape du championnat de France qui a drainé pas moins de 400 joueurs durant tout le week-end. Leur discipline, le 8 pool. Florine Eba et Guillaume Le Gouic nous présentent cette discipline. De la concentration, de la dextérité. Sur le tapis, l'enjeu, il faut engranger les points, chacun sa couleur. Autour de la table, 6 poches prêtes à recevoir les billes. Et oui, au billard, on joue avec des billes et pas avec des boules. Il existe 4 types de billard. Le snooker, le français, l'américain et le 8 pool, dit le billard anglais. C'est 7 billes jaunes, 7 billes rouges, une bille noire qui sont formées dans un triangle. Et une bille blanche. La bille blanche, c'est avec celle où on tape toujours dans les billes pour pouvoir les rentrer. Le but du jeu est de rentrer les 7 billes de sa couleur et la bille noire en dernier avant son adversaire. Ils étaient plusieurs centaines venus de toute la France. 32 équipes en compétition, plus les individuels. Bah, ça se passe très bien. Je pense que les joueurs sont globalement satisfaits. On a 400 participants, dont tous les meilleurs Français. La guerre des nerfs demande de la maîtrise et surtout de la ruse. On tourne autour de la table pour contourner l'adversaire et trouver la meilleure trajectoire. C'est très stratégique aussi, il n'y a pas que rentrer les billes, il y a aussi de la défense, il y a de l'attaque. On peut jouer vraiment différentes tactiques sur ce jeu. Donc, un peu ce jeu, un peu pareil. Le billard est devenu un jeu sportif qui fédère 12 000 hommes et 4 000 femmes en France. Aujourd'hui, on est bien loin du billard d'il y a 30 ans, qui trônait au milieu des cafés.